tout le monde. Eh bien, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On va changer un petit peu. Quand je dis changer, je veux dire on va faire un genre challenge hein, que je vais me faire à moi-même pour vous. Je me suis procuré un ancien livre qui s'appelle L'impressionnisme. Et donc il y a à peu près 80 reproductions d'artistes comme Monet. Alors on a Jules Dupré, Narcisse Diaz. Alors il y en a même, il y en a que je connais pas là. Donc Camille Corot, oui, très connu. Monet, donc on a parlé de Monet. D'autres peintres comme Alfred Sisley et j'en passe. Bon, il y a voilà. Donc pour en nommer quelques-uns, en tant qu'impressionniste, j'aimerais donc moi-même faire un petit challenge sur moi-même et je vous invite à le faire également si le cœur vous en dit. Donc ce que je propose de faire, c'est de prendre quelques-uns de ces artistes, comme par exemple, je vais commencer avec Charles-François d'Aubigny, j'ai pas mes lunettes, et voilà son œuvre. Je la mettrai en PDF et vous pourrez, en m'envoyant un courrier électronique et sous la vidéo, vous regardez le contenu sous la vidéo et il y a mon adresse électronique. Donc si vous m'envoyez un petit courrier en me demandant la photo et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer en PDF. Donc je prendrai ça en photo, celle-ci. J'en ferai un PDF que je pourrai vous envoyer. Voilà. Alors on a un petit peu de lecture ici pour en apprendre un petit peu davantage sur l'artiste et je vous en ferai la lecture lors de la vidéo. Hein? Voilà. Alors, il est impressionniste, je dirais presque impressionniste abstrait, hein, parce que vraiment, c'est juste quelques formes, etc. Donc on va voir, hein, ça va être un bon challenge pour moi aussi, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, mais on va voir et on va voir si je peux vous guider dans la façon dont je m'y prends pour peut-être vous inspirer. Ou sinon juste pour votre plaisir à regarder cette vidéo. Donc ce que j'ai comme matériel, ce que j'ai fait ici, j'ai une feuille de canvas, donc de toile à peindre. C'est un cahier avec des toiles à peindre. A été mis individuellement. Vous avez juste à arracher donc la toile. C'est pas du papier, hein, c'est bien de la toile à peindre. Vous avez juste à l'arracher et puis je l'ai scotché sur une planche. Voilà. Donc on va peindre sur ça aujourd'hui. Hein. Il est dit ici qu'on peut peindre à l'acrylique, à l'huile, à la gouache ou un mix de tout ça. Donc voilà, donc on va peindre là-dessus et aussi donc le média, ça va être de la gouache aujourd'hui. Alors je vais essayer de le mettre là, si elle aura fini de couler un peu, parce que là elle est un petit peu coulante quand même. Je ne sais pas si ça vous allez le voir, peut-être. C'est un peu coulant encore. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être le tenir à la main lorsque je peins comme ceci. On va voir. On va voir ce qui va le mieux. Bon, j'y ai mis un petit peu d'eau, hein, avec ma bouteille, un spray d'eau, comme ceci, pour le garder un petit peu humide. Mais c'est bien ce qu'il y a de bien avec la gouache, c'est que une fois que c'est sec, vous avez juste à humidifier et vous pouvez le réutiliser. Donc c'est ce qu'il y a de bien avec la gouache. Comme pinceau, et ben simplement des pinceaux pas chers que j'ai pris au magasin l'autre jour. Hein. Il n'y a même pas de marque dessus. Mais c'est des pinceaux à l'eau.
vu que moi je peins normalement, je peins à l'huile, j'avais pas trop de matériel, bien que je suis sûr que je pourrais utiliser certaines de mes brosses synthétiques pour peindre ça. Bon, enfin, je voulais rester avec quelque chose de séparé pour donc ces peintures. Donc voilà, j'utiliserai donc des pinceaux plats ou des pinceaux ronds, on verra. Quoi d'autre, c'est tout. En couleur, j'ai du jaune primaire, j'ai un jaune ocre, j'ai un bleu primaire, j'ai un rouge primaire, j'ai un violet, j'ai un noir d'ivoire, j'ai un blanc de titane et j'ai une terre brûlée. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que je vais utiliser, comment je vais utiliser, mais voilà, je vais poser ça et on va se faire le croquis. D'accord ? Donc, pour ça, je vais rapprocher la caméra et on va faire le croquis en vitesse pour savoir où on va placer les choses. Donc, mon plan de travail est un petit peu incliné, hein, contrairement à l'huile. Et puis, donc, là, je vais mettre mon dessin. C'est un rectangle, c'est format paysage, hein, comme autrefois il faisait. Alors c'est peut-être pas à 100% le même format qu'ici, mais bon, je vais faire de mon mieux. Donc c'est bien en 3, donc je divise à peu près en 2, puis encore une fois en 2. Donc ici j'ai ma partie basse. Hein, ce terrain là, voilà. Ça n'a pas besoin d'être 100% exact. J'ai une petite colline qui descend ici sur la gauche, comme ceci, et donc voilà. Et hop, et puis voilà. Donc le après. On a des nuages. Des nuages de partout. Partout ici, nous avons des nuages. Après, on a des nuages qui continuent comme ceci. Donc après aussi, je ne vais pas... c'est encore plus haut là. Donc ce nuage est plus bas. Celui-ci, il est bien par là quelque part. Okay. Voilà, c'est pas nécessaire que j'en fais plus, on va développer au fur et à mesure. J'aurais pu laisser mon ciel peut-être un peu plus haut, on verra. Voilà, donc ce sera pas non plus à 100%, hein, pareil. Moi, ce que je vous montre là, c'est une formule pour peindre. Après, voilà, vous le faites comme vous voulez. Hein. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais établir mes sombres. Il y a aussi un moment donné où je vais me taire. Je sais, ça paraît difficile à croire. Mais je vais me taire pour pouvoir vous donner un petit peu l'histoire derrière Charles-François d'Aubigny. Donc ce que je vais faire... Je vais faire déjà à l'avant ici, je vais mettre un petit peu d'ocre jaune ici, partout à l'avant. Tiens, on va faire un petit pour que ça s'étale mieux, juste un ou deux petits spray sur le support. Rien de trop épais, c'est juste pour avoir quelque chose ici. Alors je m'excuse, on voit pas trop la palette là, je voulais la montrer, mais voilà, comme j'ai fait un gros plan, et bien ça a enlevé la palette. On la verra un petit peu mieux tout à l'heure, donc je suis désolé, c'est un travail en progrès, donc voilà, acceptez mes excuses. Une couleur un peu plus chaude. Voilà pour démarrer là.
Ok, et puis donc après, hop, le ciel. Après, le ciel, je vais faire quelque chose de plus froid, forcément. Donc je prends du bleu, du blanc qui a séché là. Je veux quelque chose de fluide, encore une fois, juste pour une teinte. Ouais, on va mettre quand même un peu plus de couleur. Voilà, je donne une teinte, hein, tout simplement. Ça n'a même pas besoin d'aller jusqu'en bas. Voilà. Allez, ça va aller très bien. Voilà. Allez, ensuite. Bon, je vais commencer à... Je m'excuse. Je vais commencer à mettre donc les formes, les valeurs. Plus ou moins, je vais commencer avec donc mes sombres pour renforcer un peu le dessin. D'accord. Donc pour ça, je vais prendre un petit peu de ce bleu ici. Un petit peu de rouge. Voilà, juste pour commencer à mettre donc certaines choses. Je rajoute un petit peu de noir dans le coin ici. Partout là, c'est assez bien soutenu quand même. Donc nous avons de l'eau ici. Un petit peu plus qu'au niveau de la de notre terre là. On a de l'eau. Donc c'est pareil. Fait quelque chose. De similaire sans être tout à fait ça. Donc voilà, on va se faire un verre donc pour se faire cette partie là. C'est un verre assez il y a un peu d'ocre, il y a un peu d'autres verres. Sur l'image, on a presque l'impression qu'il a utilisé de la gouache également, hein, en fait. J'ai pas encore lu, j'aurais dû lire. Quoique là, ça en dit un. Non, on parle d'huile. Non, c'est de l'huile, c'est pas de la gouache. Bon, allez. Donc, je vais me faire un verre ici. Donc, je me prends un bleu. Tout ça, je vais en prendre là. Du jaune. Bleu, rouge. Ah, il est fort ce rouge. C'est pas grave, on a un rouge fort, tant mieux. Allez, du jaune et du bleu.
fait, je vais utiliser certains de ces... De ça, peut-être ici et là. C'est un petit peu un ton ocre que je vois ici et là, donc je vais le mettre, en fait. Avant de continuer de faire mon mélange. Ok, donc maintenant je refais dans mon mélange un petit peu de bleu. C'est un vert qui est assez similaire à ça en teinte et il y a un peu plus d'ocre là-dedans. Encore un peu. Peut-être un petit peu de blanc aussi. Ouais, c'est pas mal. Le blanc. Donc la gouache, il faudra sûrement plusieurs passages. Allez, et un vert plus intense maintenant sur l'avant. Ça et je remettrai un petit peu plus sombre après. Ok, je rajoute de la terre d'ombre dans ce vert. Alors comme dit, je vais vous en lire un peu davantage sur Charles-François d'Aubigny, 1817 à 1878. Ce tableau est appelé Bord de l'Oise. C'est une toile faite à l'huile de diamètre de 25,5 par 41 cm. Signé dans l'angle inférieur gauche, Charles d'Aubigny. Bien que disciple de l'école de Barbizon, d'Aubigny s'applique surtout à exprimer la spontanéité de la nature en des couleurs claires. C'est pourquoi les impressionnistes le prisaient tant et le considéraient comme leur précurseur. Les bords de l'Oise sont une étude remarquable par la pureté particulière, la fraîcheur et les couleurs et la merveilleuse simplicité de la composition. D'Aubigny peignait certainement cette toile sur son bateau appelé le Bottin, qu'il avait transformé en studio vers la fin des années 50. Sur son Bottin, il suivit les magnifiques rives de la Seine et de l'Oise et travailla sans relâche d'après nature. La composition du tableau donne vraiment l'impression que les rives s'éloignent doucement, tandis que le bateau glisse au fil de l'eau. C'est l'une de ces journées d'été où les petits nuages courent dans le ciel, voilent de temps en temps le soleil et jettent des ombres mouvantes sur le sol. La technique du tableau est légère et libre. Elle accentue cette impression de lumière et d'ombre fugitive. Les quelques touches vermillon qui éclairent les toits des maisons lointaines soulignent la sensation de profondeur et de l'espace. Le heurt original entre le bleu pâle du ciel et le vert émeraude des rives herbeuses est rehaussé par un jeu d'ombre de ces deux couleurs de base qui confondent leurs reflets dans l'eau. Voilà l'histoire de ce tableau qui est une collection of Zinac.
Moskova à Saint-Pétersbourg, musée de l'héritage de 1919. Et voilà pour la petite histoire. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de blanc. Et on reviendra avec des petits détails. Plus clair là, couleur un peu sauge. Allez, c'est bon. Ensuite, avec tous les pinceaux. Se remettre la ligne foncée. Donc toujours, j'utilise toujours les trois couleurs jaune, rouge, bleu, et j'ajoute des nuances, même du noir si besoin. C'est trop foncé, donc je vais juste en mettre un peu ici et là où je le vois. Ok. Dessus, on a un vert intense. Donc je vais de nouveau prendre du bleu. Ce que j'avais sur le pinceau, je rajoute du bleu, du jaune. J'ai un vert foncé, intense ici. Enfin, c'est ce que je cherche en tout cas. Pour mettre juste entre les deux là. Encore un peu plus foncé. Donc je rajoute un petit peu de mon mélange en bas là. Peut-être que je peux mettre ça maintenant comme ça. Sans que ça aille partout. Ça a l'air d'aller peut-être, comme ça vous verrez un peu mieux, je sais pas. Donc là c'est pas mal. Voilà, et puis par-dessus ça, il y aura un petit peu de jaune d'ocre ici et là. Je vais prendre un bout de papier. Donc allez, du jaune d'ocre ici. Il est un peu plus rouge, donc je rajoute une pointe de rouge. Puis on va aller avec ça. Et puis on voit que partout ici, entre les deux, donc voilà, un petit peu plus de jaune, c'était un peu trop rouge là. Poil de blanc. Allez. Voilà, il faudra que ça sèche un peu. Mais je vais quand même y mettre un petit peu. J'essaie de travailler vite. C'est juste pour vous montrer certaines
ce qu'on peut faire hein, avec une copie. Le but n'est pas de copier chaque petit truc, mais c'est d'essayer de voir comment, avec votre méthode, eh bien, vous pouvez adapter un petit peu ce que vous voyez là. Vous voyez ? Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Faire attention avec ce rouge, il est super fort. Je mets un peu d'eau et voilà, ma couleur elle est réactivée. C'est très bien pour ce vert là. Un peu, tout petit peu ici dans l'eau. Voilà, et puis il faut refaire la ligne. Comme je disais, je ne vais pas me répéter à chaque fois, je garde le bleu, le rouge et le jaune dans toutes les dans tous les mélanges que je fais. Donc on va se refaire un vert pâle. Et encore plus blanc ici. Juste en dessous de...
suis descendu un petit peu trop dans ça. Pour pouvoir remonter un peu tout ça. Ici avec un petit peu de ça, quelques voilà teintes, couleurs un peu plus claires. Pointe de noir, là, allez, hop, jaune. Ça là, faut l'indiquer dans l'eau. Voilà. Et puis des indications de maison, là, vous allez voir. Je vais prendre cette brosse là, tiens, pour ça. Donc je prends une brosse plate. Ronde, pardon. Je prends simplement un petit peu de blanc que je mets ici et je vais y mettre une indication ici et là. Comme je disais, je suis pas forcément là le dessin. Ce que je vais faire, c'est croire que on a quelque chose ici. Des maisons, etc. Donc ici on aura un orange pour le toit. Comme de bleu de nouveau, toujours. Il y a même une pointe de rouge là, plus ici par exemple, juste après cette colline là, voilà. Oui. Ensuite on a un arbre qui a ce genre de couleur aussi, avant cette église, celui-ci.
Je ne vais pas trop le mettre parce que j'ai le ciel à mettre dedans. Mais juste le fait de donner des couleurs comme ça, près de par exemple ici, là où j'avais le rouge, ça va nous faire penser que que c'est bien des maisons là, semblant de maisons, etc. Allez, ensuite ici, cet arbre, j'ai un arbre ici. Alors voilà, plus à l'avant ici, non, juste avant la colline, donc allez, on va le mettre ici. Il touche le ciel aussi. Mais voilà, pour changer un peu, j'ai une maison là, donc j'ai un petit peu plus d'ombre ici. J'ai aussi une maison là de nouveau. Ou un semblant de maison là. Voilà. Allez, ensuite. Il faut que... j'orchestre ça là. Ici j'ai un champ ocre par là. On y rajoutera de la couleur tout à l'heure. Quelques idées ici, ocre, etc. Et il faut que je fonce absolument au-dessus là. Alors on va faire ça maintenant. On va plus faire semblant. On va foncer ça là. En dessous là déjà pour commencer. C'est pas trop droit à la faire non plus, hein. Mais bon, tant pis. tant pis. Allez, hop, comme ça, on va remonter ça un peu. Voilà. Et ensuite, ce vert là, il faut absolument que je le fonce aussi. Donc, je vais refaire un vert ici. Souvent, parfois le jaune et le noir ivoire vous donnent de très très beau vert. Et je vais vous montrer ça maintenant. Un vert bien foncé. Et par endroit, voilà, c'est ce que je veux ici. Et en fait, je le veux encore un peu plus foncé que ça. Donc hop, on reprend ça. Là j'ai un vert super foncé, là. Je vais mettre un peu de jaune d'ocre dedans. Ouais, là c'est mieux. Ça va me ramener ça ressemble déjà plus à une... Ça ressemble déjà plus à une rivière ici devant. Il faut que je mette quelque chose de plus clair pour faire la différence. Là c'est bon. Mais là, ok. Et ce qui va se passer là, on va prendre de ce sombre là, on va l'éclaircir un peu, et puis on va le mettre ici dans l'eau,
ici. Un petit peu plus sombre là pour l'amener en avant. C'est pareil ici. Voilà, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Et maintenant on va s'occuper du ciel. Allez. Donc, on va se trouver du blanc propre, un blanc propre, allez, que je vais mettre ici directement. Oh. Bon, là, je suis en train de faire une cacade. Bon, c'est pas grave. Alors, le ciel est un peu vert, j'y rajoute un petit peu d'ocre, un petit peu plus. Hein, vu que on est vert ici, le ciel du coup, ben, lui il est un peu verdâtre aussi. Hein. Pointe de noir pour y voir. Un petit peu plus pour y... Oh, voilà. Bon, je voulais un peu plus gris ici, ben c'est fait. Hein. Voilà. Je reviendrai par-dessus. Là, je peux pas faire autrement que ça. Les contours après, déjà on va faire les nuages et puis voilà quoi. Là je vais faire le gris du ciel, le gris du ciel, le gris des nuages. Alors mes nuages sont effacés, hein, donc je vais refaire à peu près ici ce que je vois sans trop m'embêter. Si c'est pas pareil, c'est pas grave. Vous entendez la pluie qui tombe contre la fenêtre, c'est impressionnant. Alors j'ai un mélange de, j'avais un mauve ici, enfin, je l'ai toujours, il est là, mais il est assez sale, donc j'utilise ça comme gris.
Et je ne vais pas en mettre de partout de trop, parce que je veux pouvoir y mélanger un petit peu, ici, y mélanger un petit peu le nuage. Donc je prends un autre pinceau pour le nuage, celui-ci, et je vais directement mettre de ce blanc là. Ici et là. Voilà, et avec l'autre pinceau, le grand pinceau là. Je vais Je pense que ça me prendra plus d'un passage. Il faudra un blanc un peu plus pur à certains endroits. J'ai dû attendre un peu pour que cette pluie battante se calme parce que on ne s'entendait même plus parler. Je sais, vous n'allez pas y croire, mais je m'entendais plus parler là. Bon allez, je vous laisse continuer à voir, à regarder cet extrait.
Alors, tout comme il en parle dans son petit récit, je vais rajouter quelques notes un petit peu émeraudes, là, justement, dans l'herbage. Bon, et ben voilà, on va s'arrêter là. Je vais faire 2-3 trucs. Il fait, par contre, je vais prendre une brosse propre que je vais légèrement humidifier et juste. Ok, et c'est pas sur l'image, mais ce que je vais faire, je vais y mettre quelque chose qui rappelle le ciel un tout petit peu. Ça. Voilà, quelques couleurs du ciel. Et on finit une ligne bien foncée à la en bas de l'eau là, comme ça. Donc un dernier où je prends donc un peu de noir, du rouge, du bleu, du jaune. Ok. Allez, c'est bon. Ok, eh bien écoutez, ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on peut faire. En fait, je vais laisser celui du haut. Je vais enlever les autres. Ok, voilà. Bon, vous avez vu que par rapport à la photo, on n'a pas, je suis pas resté à 100%. Je suis pas resté à 100%, mais je suis resté assez vrai à la. Je vois juste un petit peu de foncé ici. Ça va juste relier les deux nuages ensemble là. Voilà. Ok. Et autre chose qu'on peut faire vite fait, c'est bleuter juste cette colline un tout petit peu pour l'éloigner. Voilà.
Bon, ben voilà pour cette démonstration. Eh bien, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, chaque semaine, je ferai un paysage tiré de ce livre sur donc l'impressionnisme. D'accord. Donc, on a un petit peu de tout. Hein. On fera du Camille Corot également. Vous voyez. On fera, donc j'ai mis des post-it hein, sur les choses qui vont pas mettre des heures et des heures. On fera une peinture, d'ailleurs c'est la suivante, sur Narcisse Diaz de la Pena. On fera cette peinture la semaine prochaine. Etc. etc. Hein. On fera du Claude Monet également. Hein. Oups, allez. On fera donc du Monet, notamment eh bien, celle-ci, là, la meule de foin et ferme à Giverny. Voilà. Donc toutes les semaines, donc on fera une œuvre de ces artistes et puis voilà. Si entre temps il y a des questions ou d'autres choses que vous voudriez voir, vous me laissez un commentaire et peut-être que entre temps on mettra autre chose. Hein. Mais pour l'instant, eh bien j'ai prévu là, je crois qu'il y a six peintures minimum là des artistes à mettre. Et à vous faire voir un petit peu. Hein. Voilà, bah c'est tout. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous. Alors n'oubliez pas, hein, il y a toujours le PDF sur la peinture plein air à télécharger gratuitement sur mon site internet. Donc n'oubliez pas ça. Et puis voilà quoi. Bah écoutez, moi je vous souhaite une excellente peinture et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'était Boris Huguenel avec la peinture à l'huile, c'est pas difficile.